Selon l'horloge de l'Apocalypse, on est à 90 secondes de la fin du monde. Mais c'est quoi l'horloge de l'Apocalypse? En fait, c'est une horloge fictive qui est censée nous indiquer le temps qu'il nous reste avant la fin du monde. Elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale par un groupe de scientifiques américains. L'idée, c'est d'alerter sur l'urgence qui pèse sur notre planète. Donc plus elle va mal, plus on se rapproche de minuit, et donc de l'Apocalypse. Concrètement, si la fin du monde était à minuit, il serait actuellement 23h, 58 minutes et 30 secondes. Les scientifiques prennent notamment en compte les menaces nucléaires, les pandémies ou encore le réchauffement climatique. Depuis ses débuts, l'horloge a été actualisée 25 fois. En 2020, elle était déjà inquiétante. Il restait 100 secondes avant minuit, et c'était déjà un record. Mais sans surprise, c'est encore pire cette année. Minuit moins 90 secondes, et ça, c'est notamment dû à la guerre en Ukraine. Mais pas de panique, cette horloge n'est que symbolique. Elle est simplement là pour rappeler qu'un travail est nécessaire pour garantir une planète plus sûre.